C'est un projet qui vise à utiliser le sport comme vecteur de développement personnel, notamment plus particulièrement chez les étudiants et chez les étudiantes, de manière à améliorer leur employabilité et in fine d'accroître leur possibilité d'insertion professionnelle. Comment ? Eh bien, en déroulant toute une série d'activités au cours desquelles on va faire la promotion de valeurs, d'aptitudes, d'attitudes, de compétences comme le leadership, le travail en équipe, la gestion des conflits, la résilience, l'inclusion, la gestion de l'altérité. Et en fait, l'ensemble de ces compétences, même si elles visent à améliorer, donc, je l'ai dit, l'employabilité et l'insertion professionnelle, ce sont globalement des compétences de vie et qui devraient aider nos étudiants et nos étudiantes à devenir, je dirais, si ce n'est des citoyens et des citoyennes modèles, en tout cas des gens qui seront capables de se comporter en mettant en avant, je dirais, un ensemble d'attitudes positives au sein de la société. Notre partenariat vise à utiliser le sport ou une approche pédagogique basée sur le sport pour renforcer les compétences de vie des apprenants et des apprenantes, améliorer donc leur développement personnel, social et ainsi leur insertion professionnelle future. Cette coopération, ce partenariat englobe l'intégration de cette approche sport pour le développement dans les référentiels de formation, la formation d'acteurs clés au sein de l'université pour la mise en œuvre des activités, la construction d'une piste d'athlétisme et donc la remise d'équipements sportifs, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Alors le projet est mis en œuvre de juillet 2022 à juin 2025. Nous sommes exactement à mi-parcours. Dans le cadre de ce partenariat au Sénégal dans l'enseignement supérieur, nous coopérons avec l'université de Ziguinchor et le Crous de Ziguinchor, l'université de Saint-Louis et le Crous de Saint-Louis, mais aussi le réseau des ISEP. Ce n'est pas une première, parce que les partenaires techniques de la GIZ nous ont toujours accompagnés dans la réalisation de nos missions. Donc ils interviennent pratiquement dans trois domaines, dans le domaine de la formation avec la réalisation, l'accompagnement et la réalisation d'un master, le master 2 d'énergie renouvelable, qui est un master interuniversitaire. Et dans le cadre de ce master-là, ce qu'il y a lieu de souligner, c'est vraiment l'expertise des étudiants qui ont été formés et qui, toujours dans le cadre d'un projet avec nos partenaires allemands, ont installé un mini-central photovoltaïque solaire que nous avons inauguré la semaine dernière. En plus de ça, nos partenaires allemands nous ont beaucoup aidés aussi dans la réalisation d'une de nos missions essentielles, que constitue la formation en employabilité et en entrepreneuriat. Ils travaillent beaucoup avec l'incubateur et les résultats sont très probants et appréciables. Dans le cadre de ce projet-là, nous allons beaucoup encadrer les étudiants dans la formation à des principes et à des attitudes très responsables de développement, telles que la culture de la paix, de l'éthique, l'approche genre qui est aussi très importante dans notre statut. Voilà, vraiment, c'est pourquoi nous saluons l'initiative et l'accompagnement permanent de nos partenaires de la GIZ qui ne sont pas arrêtés là, qui vont nous aider à réhabiliter en partie le terrain du rectorat en installant ou en construisant une piste d'athlétisme sur ce terrain.